Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de division. On va apprendre à diviser. Diviser, c'est un mot que vous avez sûrement déjà entendu. Par exemple, lorsqu'on vous a demandé peut-être de partager votre argent de poche avec vos frères et sœurs, on vous a demandé de diviser l'argent. Essentiellement, ça veut dire ça. Ça veut dire partager, couper en morceaux. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous écris le mot diviser, D-I-V-I-S-E-R. Et on va commencer avec un exemple assez simple. Imaginons par exemple qu'on ait 4 euros. Je vous les dessine là, c'est mes petites pièces. Je vais même mettre un petit symbole, comme ça on sait qu'on parle d'euros, mais ça pourrait être évidemment n'importe quelle monnaie. Ils sont là, ce sont nos 4 euros. Et maintenant imaginons que nous soyons tous les deux. Ici il y a moi, je me dessine aussi bien que je peux, et il y a vous. Et je vous en prie, soyez pas vexés si vous trouvez que je vous dessine pas assez bien. Je fais de mon mieux et déjà, vous voyez, j'écris pas très bien, donc je dessine encore moins bien. Mais l'important, c'est qu'on comprenne ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que nous sommes deux. Et j'insiste sur le fait qu'on est deux, ce sera assez important, vous allez voir. Parce qu'on a nos 4 euros qu'on veut partager entre nous. On veut les diviser entre nous. Et comme nous sommes deux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser ces 4 euros en deux. On va les diviser par deux. Et c'est essentiellement ça que ça veut dire, diviser par deux. Alors, comment on s'y prend? Je prends mes 4 euros et tout simplement, je les sépare en deux groupes identiques, en deux groupes de même taille, de manière à ce qu'on se retrouve chacun avec la même chose. Pourquoi en deux groupes? Précisément parce que nous sommes deux. Donc, je me retrouve ici avec un premier groupe et vous retrouvez avec un deuxième groupe de pièces. Nos deux groupes sont identiques. On a bien divisé nos 4 euros entre nous deux. On a divisé par deux. Et maintenant, on peut se demander combien il y a d'euros dans chaque groupe. On va les compter. Dans le premier groupe, j'ai 1 euro, 2 euros. Et dans le deuxième groupe, 1 euro et encore 2 euros. On a autant d'euros chacun, c'est normal. On voulait que nos deux groupes soient identiques. Et je sais que vous savez le faire parce que c'est quelque chose. Depuis que vous êtes tout petit, par exemple, quand vous avez dû partager des bonbons avec vos amis, vous avez fait ce genre de choses. Mais maintenant, on va voir un peu comment on l'écrit mathématiquement. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait 4 euros qu'on a divisés en deux groupes. On les a divisés en deux. Je fais attention aux couleurs, vous avez vu, j'avais écrit nos euros en jaune, donc le 4 il est en jaune. Nos groupes de division, vu qu'on était deux, c'est en rose. Et enfin, c'est égal à quoi? C'est égal à 2, c'est-à-dire que c'est égal au nombre d'euros qu'il y a dans chacun des groupes. Dans chaque groupe, j'ai 2 euros. Donc 4 euros que j'ai divisé en deux groupes, ça me donne 2 euros dans chacun des groupes. D'ailleurs, si j'étais resté cohérent avec mes couleurs, ce petit symbole de division, je l'aurais écrit en orange, comme le verbe diviser. C'est ainsi qu'on représente une division. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'autre d'intéressant, qui est que diviser, en fait, ça consiste à faire le contraire que de multiplier. Pourquoi je vous dis ça? Imaginons que je vous ai dit au début qu'on avait deux groupes de pièces et que dans chaque groupe, il y avait deux pièces. C'est bien ce qui se passe ici. On a un premier groupe avec deux pièces, on a un deuxième groupe avec deux pièces. Et je vous demandais combien il y a d'euros au total. Vous m'auriez dit, c'est simple. J'ai deux groupes. Dans chacun des groupes, il y a deux pièces. Donc, au total, combien j'ai d'euros? J'en ai 2 fois 2. Et ça, c'est égal à 4. On retrouve bien les 4 euros qu'on avait. 4 divisé en deux groupes, ça nous donne 2 pièces par groupe. Deux groupes qui contiennent chacun 2 pièces, ça nous donne finalement 4 pièces. Alors, on va développer un peu tout ça. On va faire quelques exemples et vous allez voir, vous allez comprendre assez vite ce que c'est. On va même faire pas mal d'exemples. Commençons par nous demander quel va être le résultat de 6 divisé par 3. 6 qu'on va diviser, mettons, par 3. Je vais commencer par dessiner mes objets, ça peut être 6 objets, ça peut être n'importe quoi, mettons que ce soit des piments. Bon, ils sont vraiment pas très bien dessinés, mais encore une fois, on veut juste visuellement voir un petit peu ce qui se passe. J'ai 6 piments et je vais les diviser par 3, mettons par exemple que nous soyons 3 et qu'on a envie chacun d'avoir des piments, on va les partager en 3. Donc je vais faire 3 groupes qui sont identiques en taille et encore une fois, c'est assez facile visuellement, vous voyez, 1, 2, 3. J'ai mes 3 groupes identiques, j'ai divisé mes 6 piments en 3.
Et maintenant, le résultat de cette division, ça va être le nombre de piments dans chacun de mes groupes. Donc, combien j'en ai, on va regarder. Ça va être assez rapide. Dans chaque groupe, j'ai un piment, deux piments, un piment, deux piments. Donc, une manière de voir cette division, une manière de comprendre ce qui s'est passé, c'est de se dire que j'avais 6 objets, que je les ai divisés en 3 groupes identiques, et qu'à la fin, dans chacun des groupes, j'avais 2 de ces objets. Donc, 6 piments divisés en 3, ça me donne 2 piments dans chaque groupe. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une autre manière de résoudre ce genre de problème. Mettons qu'on veuille toujours faire la même division, c'est-à-dire diviser 6 par 3. Mais au lieu de dire que je vais diviser 6 en 3 groupes, je vais dessiner mes 6 objets. On va dire cette fois que ce sont des bananes parce qu'elles sont jaunes. J'ai donc 6 bananes. Et au lieu de dire que je vais les diviser en 3 groupes, ce que je dis, c'est que je veux les diviser en groupes de 3. C'est une autre manière de comprendre le problème, mais vous allez voir qu'au final, ce n'est pas si différent. Donc je vais essayer de faire des groupes de 3. Mettons que je les compte. 1, 2, 3, ça me fera un groupe. 1, 2, 3, ça me fera un groupe. Et maintenant, je me demande combien j'ai de groupes. Ici, j'ai un groupe de 3 bananes. Ici, j'ai un groupe de 3 bananes. Et j'ai plus qu'à compter mes groupes. 1, 2, j'ai 2 groupes. Autrement dit, si je veux diviser mes 6 fruits en groupes de 3, je me retrouve au final avec 2 groupes. Donc, on a quelque chose de très intéressant ici, qui est que si on prend 6 et qu'on le divise en 3 groupes, on se retrouve avec des groupes de 2. Et si on prend 6 qu'on divise en groupes de taille 3, on se retrouve avec 2 groupes. Dans les deux cas, on trouve que 6 divisé par 3, c'est égal à 2. Mais on va voir quelque chose d'encore plus intéressant maintenant qui va se passer lorsqu'on va vouloir diviser 6 par 2 plutôt que de vouloir diviser 6 par 3. Mettons que je veuille diviser 6 par 2. Je continue à dessiner des petits objets, comme ça on se repère bien. On va dire que c'est des prunes cette fois. J'ai 6 prunes. Je vais les diviser par 2, c'est-à-dire que je vais les diviser en 2 groupes. On peut d'abord voir ça comme ça. Je les divise en 2 groupes. Finalement, combien j'ai de prunes dans chaque groupe? On les compte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6 divisé par 2, c'est égal à 3. J'aurais pu aussi dessiner les choses différemment. J'aurais pu dire que si je veux diviser 6 par 2, je redessine encore une fois mes objets, j'ai mes 6 objets. On peut dire que diviser 6 par 2, c'est le diviser en groupe de 2. Et maintenant, je compte mes groupes de 2. J'ai un premier groupe de 2, un deuxième groupe de 2 et un troisième groupe de 2. Au final, j'ai 1, 2, 3. J'ai 3 groupes de 2. Quand je divise 6 en groupe de 2, je me retrouve avec 3 groupes. De la même manière que quand je divisais 6 en 2 groupes, je me retrouve avec 3 prunes dans chaque groupe. Et le résultat particulièrement intéressant qu'on vient de voir ici, c'est que 6 divisé par 3, c'est égal à 2. Et 6 divisé par 2, c'est égal à 3. Autrement dit, c'est comme si je pouvais échanger la position du 2 et du 3 dans la division et dans le résultat. Et bien ça, c'est dû au fait que 2 fois 3, c'est égal à 6. Laissez-moi vous expliquer pourquoi je viens de dire ça. Encore une fois, on va dessiner nos objets. Mettons que cette fois, j'ai 2 groupes de 3 objets. Un premier groupe avec 3 objets, un deuxième groupe de 3 objets. Si je veux savoir combien j'ai d'objets au total, je compte, j'ai 2 fois 3 objets, c'est-à-dire que j'ai 6 objets. Maintenant, supposons que j'ai 3 groupes de 2 objets. Un premier groupe ici, ça c'est mon deuxième groupe, un troisième groupe comme ça, je ne suis pas obligé de les faire bien alignés. Si je veux savoir combien j'ai d'objets au final, j'en ai 3 fois 2, c'est-à-dire que j'ai encore une fois 6 objets. Et on retrouve ce qu'on avait plus haut, à savoir que si j'ai 6 objets que je divise en 2 groupes, je me retrouve avec 3 objets par groupe. Si j'ai 6 objets que je divise en 3 groupes, je me retrouve avec 2 objets dans chaque groupe. Et 2 fois 3, c'est égal à 3 fois 2. Ça, vous savez que dans une multiplication, l'ordre ne compte pas. Et c'est pour ça que si j'ai 6 et que je veux le diviser en groupe de 3, je trouve que j'ai 2 groupes. Et si je veux le diviser en groupe de 2, je me retrouve avec 3. Maintenant, on va continuer à faire d'autres exemples un tout petit peu plus compliqués. Choisissons par exemple de diviser 9 par 4. Je vais encore une fois dessiner mes 9 objets pour qu'on y voit clair.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et je vais me dire que je vais les diviser en groupes de 4. On a vu que c'était possible de voir les choses comme ça. Donc je regarde, je fais un premier groupe de 4, un deuxième groupe de 4. Et qu'est-ce qui se passe avec celui-là? Ben, je ne peux pas en faire grand-chose, je ne peux pas le mettre dans un groupe de 4. Il me reste un objet qui reste tout seul. C'est pour ça qu'on va d'ailleurs l'appeler le reste. Il est là. Et je ne peux rien faire avec lui. Donc le résultat de cette division, et c'est la nouveauté dans cet exemple un petit peu plus délicat, c'est de dire que si je divise 9 par 4, si je divise 9 en groupe de 4, je vais trouver que c'est égal à 2, parce que je peux faire deux groupes, et il reste 1. Il me reste un objet qui est tout seul, que je n'ai pas pu mettre dans un groupe de 4. Maintenant, on peut faire un autre exemple. Mettons par exemple que j'ai 12 objets que je veuille cette fois les diviser par 3. Ou plutôt, je vais les diviser par 4. 12 que je divise par 4, ben, je vais faire mes groupes de 4. J'ai un groupe ici, un groupe là, c'est assez évident, surtout que je les ai bien alignés. Un troisième groupe ici. Je me retrouve avec un groupe, deux groupes, trois groupes. Donc 12 divisé par 4, c'est égal à 3. Et cette fois, je n'ai pas de reste. Autrement dit, la division est exacte. Quand on divise 12 par 4, on trouve que c'est égal à 3. Et le reste, il n'y en a pas. On peut dire que le reste, c'est 0. La division est exacte. Et pour continuer à s'entraîner, maintenant, on va diviser 12 par 3. On s'entraîne parce que c'est que comme ça que les choses vraiment se mettent en place petit à petit dans la tête. Il faut répéter des exercices jusqu'à ce que les choses soient complètement claires. 12 divisé par 3, si vous vous rappelez de ce qu'on a dit un petit peu plus haut, vous allez savoir que ça fait 4. Parce que 3 fois 4, c'est égal à 12, et 4 fois 3, c'est égal à 12. Mais on va quand même s'en convaincre, on va continuer à dessiner nos objets et à les diviser en groupes de 3. J'ai mes 12 objets, et je vais faire des groupes de 3, et je vais les prendre avec des formes un petit peu tordues pour vous montrer que ça ne change pas grand-chose. Le problème, il n'est pas dans la forme des groupes, il est juste dans le nombre d'objets qu'on met dans chacun des groupes. Alors là, je leur donne une forme de L un peu, j'ai un premier groupe, un deuxième groupe, un troisième groupe, et un quatrième groupe. Au final, si j'ai 12 et que je le sépare en groupes de 3, je me retrouve avec 1, 2, 3 et 4 groupes, autrement dit 12 divisé par 3. C'est égal à 4. Bien sûr, vous pouvez vous dire que je complique les choses juste pour le plaisir, parce que quand j'avais mes 12 objets et que je les avais rangés comme ça, j'aurais très bien pu faire des groupes beaucoup plus simples et prendre juste des lignes comme ça, un groupe, deux groupes, trois groupes, et enfin quatre groupes. On aurait trouvé évidemment le même résultat. 12 divisé par 3, ça fait 4. Tout comme tout à l'heure, on a vu que 12 divisé par 4, ça faisait 3. On continue à s'entraîner et on va encore faire une division qui aura peut-être un reste, peut-être pas, on va bien voir. Nous allons diviser 14 par 5. 14 divisé par 5. Encore une fois, je vais dessiner mes petits objets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et je m'arrête là. Je vais les diviser par 5. Donc je vais prendre des groupes de 5. Je ne vais pas me compliquer ici, je les ai bien rangés. J'ai un premier groupe de 5 ici, un deuxième groupe ici, et je ne peux plus faire deux groupes, il m'en reste que 4. Donc je dis que 14 divisé par 5, c'est égal à 2, et il reste 4. Bien sûr, quand vous aurez de l'entraînement, vous n'aurez plus besoin de faire tous ces dessins-là. Il y a des manières par le calcul qui permettent de résoudre ces problèmes-là, et c'est ce qu'on va regarder un petit peu. Maintenant, ce qu'on va faire pour résoudre cette question, c'est de se demander combien de groupes de 5 je peux faire tenir dans 14. Et on va l'écrire comme ça. Ça s'appelle poser une division. C'est comme ça qu'on écrit les choses quand on veut aussi diviser 14 par 5. La question qu'on se pose, c'est combien de fois je peux faire tenir 5 dans 14. Alors pour répondre à cette question, la chose importante, c'est de connaître ces tables de multiplication. On sait que 1 fois 5, c'est égal à 5. Donc 5, ça peut rentrer une fois dans 14. Je peux avoir un groupe de 5 quand j'ai 14 objets. 2 fois 5, c'est égal à 10. Et de la même manière, je peux avoir 10 objets quand j'en ai 14. Donc 2 groupes de 5, ça tient.
dans 14. Maintenant, la question, c'est est-ce que je peux avoir 3 fois 5 dans 14? Et comme 3 fois 5, c'est égal à 15, et que 15, c'est plus grand que 14, on ne peut pas avoir 3 groupes de 5 lorsqu'on a 14 objets. Donc, on est contraint de s'arrêter à 2. Dans 14, je peux faire rentrer 5 deux fois. 2 fois 5, ça fait 10, ça rentre. Après, on se demande ce qui reste. Voilà ce qu'on va faire. On va regarder 2 groupes de 5. Ça me donne 10 objets. J'en avais 14, donc combien il en reste? On fait la soustraction. 14 moins 10, et je sais que vous savez faire vos soustractions. 14 moins 10, ça fait 4. Il reste 4. Le reste, il est là. C'est comme ça qu'on peut aussi répondre par le calcul à la question. 14 divisé par 5, c'est égal à 2. Et il reste 4. On va faire un dernier exemple, histoire d'être vraiment certain qu'on a bien compris ce qui se passait. Maintenant, on veut diviser 8 par 2. On veut savoir à quoi c'est égal. On va poser notre division comme ça, comme on vient de le voir, en disant que c'est 8 divisé par 2. Dans un instant, on fera les petits cercles pour voir comment ça marche visuellement, mais reprenons cette idée de se demander dans 8, combien de fois je peux faire rentrer 2. Encore une fois, on a besoin de la table de multiplication de 2. 2 fois 1, c'est égal à 2. Donc, déjà, ça rentre une fois. Ça, il n'y a pas de souci. Mais peut-être qu'on peut aller plus loin encore. 2 fois 2, c'est égal à 4. Ça rentre encore. On continue. 2 fois 3, c'est égal à 6. 6, ça rentre dans 8. C'est plus petit. Donc, on continue. 2 fois 4, c'est égal à 8. Là, ça commence à devenir intéressant. 8, ça rentre dans 8. Si j'ai 8 objets, je peux en prendre 8. Mais on sent bien que c'est tout juste. D'ailleurs, 2 fois 5, c'est égal à 10. Et 10, ça ne rentre pas. Donc, si je veux diviser 8 par 2, je me demande, dans 8, combien de fois j'ai 2? Je sais que je l'ai 4 fois. 4 fois 2, ça fait 8. Et si je veux voir ce qui reste, ben, il ne reste rien. En prenant 4 groupes de 2 dans un groupe de 8 objets, il ne me reste rien du tout. 8 divisé par 2, c'est égal à 4. Et je pourrais écrire, si je le voulais, qu'il reste 0. Encore une fois, on va s'en convaincre visuellement. Mettons que j'ai mes 8 objets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Si je les prends par groupe de 2, combien de groupes je vais réussir à faire? Ici, j'ai un premier groupe, un deuxième groupe, un troisième groupe et un quatrième groupe. 1, 2, 3, 4. Si je divise 8 en groupe de 2, j'ai bien 4 groupes. Voilà, je pense qu'on a bien travaillé pour aujourd'hui, c'est une grosse leçon. Donc je vous remercie de votre attention, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo.